On est à quelques instants Bonjour du coup à d'envoi tous, de cette finale de la c'est Coupe des Nico Champions. On Gage du se tagarre tout 13 un et peu. aujourd'hui je Ouais, suis on peut sûr, espérer un grand match, mais FIFA c'est pas toujours les matchs 17 pour les plus continuer le brillants. mode Mais c'est carrière sûr que dans avec la vie d'un l'Olympique supporter et de surtout de la Marseille. carrière d'un joueur, Et c'est pas aujourd'hui, ben, possible. j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement bien Alors écoute, je assis vous souhaite un pour bon cette choix. finale Je de vous Ligue des suis Champions l'Olympique de qui nous Marseille opposera face à à Manchester Manchester United. United. Donc là, on a les deux plus grosses équipes européennes. Mais oui, c'est en finale, c'est qu'on est les deux plus grosses équipes européennes. Les rageux diront que Marseille, c'est de la merde. Mais moi, en tant que supporter marseillais, je me... Comment dire? Ben, je les supporterai dans n'importe quel Voilà, cas, surtout sur voilà. Qualisé Ça, je suis un sur vrai l'attaquant supporter international marseillais. français Et dans Thomas n'importe quel cas, Partey, je les soutiendrai. deux buts lors de son dernier match Après, de vous Champions, qui parle de me suivez même. sur ma chaîne, vous savez Évidemment, la très bien victoire à aussi suivre dans que cette rencontre. mon équipe, je l'ai bien travaillé pendant le mercato et que c'est une équipe prête pour la compétition et que pour le moment, n'a perdu aucun trophée, aucune finale et a perdu Voici très peu de la matchs. Et pour cette composition de finale, l'Olympique de c'est mon Marseille. équipe type qui va s'occuper de ce match. Ça paraît normal, c'est la finale de la Ligue des Champions. Donc, on sort l'artillerie lourde. On est là, c'est pour amener la deuxième étoile sur notre maillot, au-dessus de notre logo. Et bien sûr, une deuxième Ligue des Champions à Marseille. En tout cas, ce match risque d'être vraiment très intense. Quand on a un connaisseur de finale, c'est José Mourinho qui entraîne Manchester United. Et lui a l'habitude de Et la jouer des finales, donc il a composition de vraiment préparé Manchester son équipe United qui pour. s'affiche. En plus, là, on peut voir, ils ont Mais vous Aubameyang, pouvez mais voir la malheureusement, il est composition remplaçant, je ne retenue comprends par pas l'entraîneur. pourquoi. Un 4-5-1, Et on se souvient, c'est le Harry système Kane qu'il en utilisait attaque de français pointe pour en remplacer 98 mais aussi en Ibrahimovic. 2006. Et aussi, ce sera le dernier match de la saison, les amis. Ben oui, ça se termine par une Ligue des Champions. Et au contraire, voilà, ça promet du spectacle. Et aussi, ben, ça risque d'être ma dernière vidéo sur FIFA 17. Et du coup, on se retrouvera après pour du FIFA 18, une nouvelle carrière avec l'Olympique de Marseille, avec Et pour diriger, un nouveau système arbitrer que je vais cette faire. Et rencontre, on va retrouver mais Monsieur pour le moment, Didon on va se quand on va concentrer sur finir. cette finale de Ligue des Champions. Allez, c'est parti! Donc on a Et le tout est prêt centre pour cette grande et on finale va de Coupe essayer de Champions. Bien, directement se on a créer vu une sur un petite super occasion match, on si on y espère en tout arrive. cas. On a les deux meilleures équipes européennes en présence, on sait. Il y a du beau monde sur la pelouse. On a les Coréens, Allez, ça va les très vite. Marseillais à l'attaque. Ah, par contre là, ça va moins vite. Paredes. Ouais, c'est le fin. Eh Renato oui! Sanchez. Première action, premier Marcelinho qui but sera pour refusé l'Olympique! pour un hors-jeu. Non! Vu Comment par les ça? Ah assistants, non, ah, c'est quand un je l'ai vu, drapeau. pas être content. Je me suis dit, il y a un problème et Alors, on va forcément il est revenir. hors-jeu. Marcelinho refusé pour hors-jeu, pour se faire une idée. Et l'arbitre Ah, ça assistant s'est qui joué à semble rien avoir du très bon tout, sens de les cette amis, à décision. rien du tout. En tout cas, voilà, on montre le potentiel de notre équipe dès les premières secondes. Et bon, malheureusement, c'était hors-jeu. Ah, franchement, là, je suis Calepson dégoûté. passe. Je suis dégoûté, mais je vais Bien rester joué. concentré. La prochaine, elle sera au fond, il n'y aura pas de hors-jeu, les amis. En tout cas, première action, premier but, ça c'était énorme. Paredes. Ah, ça Ah, la passe pas. passe mal ajustée. Attention à Il la récupère un contre-attaque ballon facile. de United. Ok, c'est bon. Renato Sanchez. Ah, la vitesse de Correa, peut-être ce qui va faire la différence. Non. Oui, après, on sait très bien que Oui, United a une Rooney. très très grosse défense. Très très grosse défense. Et Très bien. voilà, il le montre hein, sur cette accélération. Ils attendent une Correa, normalement, par ouverture sa avant la vitesse, aurait dû faire la défense. gif. Bon Mais geste bon, défensif. c'est Ce bien sera donc une défendu touche. par United. Allez, c'est une touche. Oh là, il est tout Ça seul. part bien, Attention à ce action centre. dangereuse. Mais non, le Ça ne gardien qui trouvera peut facilement personne, s'emparer à du part la ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Et du coup, on va pouvoir se relancer. Renato Sanchez. Allez! Oh non! Elle a mis beaucoup Voilà d'agressivité là, dans le cette défenseur qui monte au intervention. bon moment au pressing et il m'empêche de faire cette passe alors que Correa était parti Calepson très très passe. vite et très très seul surtout. Léon Bellé. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ah, Ça peut très j'aurais bien dû la faire un passer en but. haut. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Yorick Tillmans. Le mec il est Ah, belle tombé quoi, conception ça lui a cette permis interception de qui n'est stopper cette rien. passe. Anthony Martial. Attention à Martial, sa technique, sa vitesse. Allez, Mais contact, c'est mais bon, il est ils n'ont pas stoppé. conservé ce ballon. Ah, Oh là attention à là la là là, mais récupération. cette passe, elle aurait dû passer. Tchéléman, ça plie que Voilà. toi. Ah, ces dernières passes là, ces dernières passes. Elles m'auront fait chier toute la saison quoi. Yorick Tillmans. Allez.
Voilà peut-être une bonne occasion. La grosse occasion à la Marseillaise et bien arrêtée par De Gea. Ce sera donc quel bel arrêt. Il met ce ballon en corner, du coup c'est pas terminé, attention. C'est Aké qui a la retombée. Oh là là, heureusement qu'il était placé sur le poteau. Heureusement qu'il était placé sur le poteau parce que je pense que De Gea a été battu. Allez, équipe MB, bien joué de la part de l'équipe MB. Léon Bello. Ah ouais, quand même. On cherche un partenaire encore. Allez, Tchelemans, la frappe. Et encore une fois, c'est mis en corner par De Gea. C'est déjà la deuxième fois que Tchelemans affronte De Gea. Mais pour le moment, c'est De Gea qui remporte le duel. Défenseur qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, Correa, la roulée. Et c'est capté facilement, encore une fois, par De Gea. Et finalement, lui, il est en forme aujourd'hui. Même si ce n'est pas le cas de tous ses coéquipiers. Renato Sanchez. Ouais, il a réussi à éliminer le défenseur. Mais là, par contre, il n'y a plus trop de solutions. Ouais, ils ont beaucoup à jouer. Il a oublié de revenir en arrière. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Il n'y a pas de solution, ça s'énerve. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Allez, Paredes. Ça passe juste à côté. C'était très très bien tenté là de la part de Paredes. Mais en tout cas, ce match, comme je vous l'ai dit, il est intense. Pour le moment, on domine très clairement. On les bloque dans leur partie du terrain. Mais faire attention parce que en une offensive, ils peuvent marquer. Mais du coup, c'est bien qu'on les bloque dans leur partie du terrain. Allez, ça dégage. Normalement, c'était un ballon récupéré par Marseille. Non. Ou la balayette. La faute stupide de Hernandez. Allez, c'est tiré par Pogba. C'est récupéré par Marseille. Mais attention, c'est récupéré par United. Il t'en a frappe. Le tir. Et c'est complètement ça passe très très loin du cadre. Allez, on va la jouer court. Sur Chamber. Voilà. Bélé qui fait directement l'appel. Allez, Sanson. Encore une bonne passe. La frappe de Sanson. Il n'y avait personne là pour la reprendre. Dommage. Et ce sera une touche marseillaise. Attention, ça peut être dangereux. Il n'y a pas de solution. Ils construisent. Ils font tourner. Paredes. Allez, Tchelemans s'est enroulé. Et encore une fois, c'était arrêté par De Gea. Le mec s'est tapé sur le ballon, on a l'impression. TP, téléporté, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Paredes. Allez. Correa. Oh là là, Correa qui tente le piqué, malheureusement. Il était un peu court et ouais, De Gea qui est sorti très très bien et très très vite. Ah, Mourinho qui en a peur, parce que depuis tout à l'heure, il n'y a que nous, on joue. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ah, il perd le ballon. Ah, ce serait une faute signalée par l'arbitre. C'est un coup franc pour les Marseillais. Allez, on va essayer de la rentrer celle-là. C'est très compliqué parce que je ne sais pas lui tirer. Et encore une fois, c'est mal tiré. Je comprends pas. Le ballon, il part toujours du mauvais côté. J'ai du mal à comprendre comment ça se passe et les coups francs sur ce jeu. J'ai l'impression que c'est tellement aléatoire. Harry Kane. Ouais, la bonne circulation du ballon. Paul Pogba. Ils prennent leur temps. Ils posent attention à cette offensive de United. Oh là là. Ouais, du point. Oh là là, Harry Kane, il est grand. Il est passé limite devant Lafond. Mais heureusement que Lafond a fait le geste parfait. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer. Allez, juste avant la mi-temps, ça ferait du bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui dis de faire la passe en bas, la fin, gros. Allez, c'est pas fini. Eh ben, si, c'est fini. On a vu l'arbitre qui va siffler la mi-temps maintenant. Et voilà, c'est fait sur ce score de 0-0. Je comprends pas. La dernière offensive, elle était parfaite. On était en 3v3. Je lui dis de la passer en bas en profondeur sur Sanchez. Et il a fait en haut sur Correa. Je comprends pas.
Les mecs ne doivent pas s'entendre, il a pas son meilleur ami, c'est tout. Bon, c'est pas mal, et c'est parti pour la deuxième mi-temps. J'espère que ça va continuer aussi fort, mais que cette fois De Gea va craquer, parce que bon, des occasions, on en a eu. Par contre, attention, attention, ce serait bête de prendre un but. Attention à la retombée. Mais c'est bien joué là de la part de Hakimi. Mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Sanson. Ah, ça ne passera pas. Il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Ah, Bailly qui est vraiment exceptionnel sur ce FIFA. Wayne Rooney, ça peut être dangereux. Attaque les propres, les ballons toujours en jeu. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Allez, gênez-le, bien. Bien Chambero, il a pas craqué. En tout cas, moi j'ai failli craquer, j'ai flippé ma race, mais ça va. Chambero, il a fait le geste parfait. Au dernier moment, il met un coup de physique. Ah non, le Correa. Allez. Attention, la passe en profondeur. Morgan Sanson. Ouais, c'est pour le. Ouh, Bailey qui a failli faire le geste juste pour marquer contre son camp, mais heureusement que ça passe juste à côté pour eux. Et pour nous, bah, c'est dommage. Voilà, Sanson qui tente le petit pont, j'aurais peut-être dû tenter la passe en retrait, mais bon, tant pis. Je ferai peut-être le bon choix la prochaine fois. André Le Correa. Bon, c'est Marseillais, c'est récupéré. Nathan Aki, le long de la ligne de touche. Non. Il prend sa chance. Mais non, c'est pas ça. Il que j'ai dit, encore une fois. Ah, je me précipite et le jeu a du mal à suivre en fait. Touche en faveur de l'OM. Ah, il serait une touche. On est toujours bien placé. Ce serait bien de marquer sans maintenant. Son. Oh oui, la bonne option. Ouais, c'est bien de marquer à n'importe quel moment, mais c'est bien de marquer quoi. Allez, Bélé. Non, ouais, il arrive du gardien. Bonne ah, ça a été dévié. Le jeu s'est arrêté. Je crois que pendant un moment il a laissé flipper la chine, mais non, mais c'était juste une impression. Ah, ce match peut durer très longtemps. Comme je vous ai dit, ce match est intense. On a deux grosses équipes là. Ça circule très bien, hein. C'est bien joué. Et bon, c'est la finale de la Ligue des Champions, quoi. Tout le monde la veut. Hein. Bon centre, mais la défense. Ah, la faute, monsieur l'arbitre. Montre vigilante. Heureusement que Paredes a géré le coup, parce que là, il s'était pris une petite balayette et l'arbitre qui ne bouge pas. Callum Chambers. S'il a perdu, c'était comment dire, un petit peu foutu, quoi. Oui, bien joué. Aki qui vient aider. Porter le danger dans le camp adverse. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Très bien défendu. Bailly. Mkhitaryan. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Ouais, attention, l'appel en profondeur, on l'a vu. Dernière consigne de l'entraîneur. On essaie de bloquer la passe. Petite tape derrière la tête qui va bien. Voilà, attention. Il donne son ballon. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Non, mais non, il a inventé, oui, monsieur l'arbitre, il a inventé. C'est pas possible. L'arbitre qui choisit. De c'est n'importe quoi. Sur cette il prend ce. Ouais, mais oh là 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 là. Ah non, Hakimi, mon petit. Allez, on compte sur la fond maintenant. Oui, oui, la fond qui sort le penalty. En plus, je crois qu'Harry Kane est blessé. Par contre, on va en profiter pour faire des remplacements maintenant. Oh là là, ce match est vraiment. Il est foufou, hein, ce match. Allez, on va faire rentrer Odegaard, même s'il est en manque d'endurance, ce mec. On va sortir Bélé, on va faire rentrer Guedes. Et on va garder le petit mort pour la fin du match, je pense. Parce que bon, si ça va jusqu'aux prolongations, on a besoin d'un joueur encore. Son score de Paris. Allez. Attention là. Attention à ce corner. Sanchez est bien placé. C'est bon, ce sera pour la fond. Allez, on va calmer le jeu. Voilà, attention quand même. Voilà, c'est bien. Mal joué. Mkhitaryan. Là, comment dire que United a accéléré dans cette fin de match. Ils sont très très offensifs et défensifs à la fois, je comprends pas. Choisis la frappe. Oh, cette frappe. Il cherche un petit peu son football. Voilà, ils sont vraiment chauds. Là, ils sont très très chauds dans cette fin de match. Je sais pas quel style de jeu ils ont adopté, mais ils sont offensifs et défensifs. Ils sont tous en défense et en attaque, ils sont tous en attaque. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont 22 quoi. Ils ont 11 joueurs défensifs, 11 joueurs. Ils s'avancent vers la surface. Elle la voilà la frappe. Oh là 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 là, ça tape la barre, Correa. C'est bien joué. Ah non, c'est pas allez, ça dégage.
Ah, il n'y a personne qui l'a attaqué, je me suis dit, faut que je tente, et là, ça tape la barre opposée, c'est vraiment dommage. En tout cas, ce match, il est exceptionnel. Renato Sanchez. Attention à la frappe. Oh, allez, la frappe sans élan. Non, De Gea qui a vraiment eu très très chaud, qui plonge, mais bon, malheureusement, ça passe au-dessus. Hein. C'était pas plus chaud que ça. Temps réglementaire. Anthony Martial. Oh, il a pris un bon tampon, mais il continue à jouer. Osia coupe. Attention. Allez, pas prendre un but à la 90e. Là, ce serait un peu, comment dire, mort pour nous. Les Red Devils à l'attaque. Ils enchaînent les passes. Voilà, oh là là. Un décalage qui va sans doute venir. Non, non, non. Voilà, il a failli suicider Lafont. Il est pas hors jeu. Allez. Avec le gardien. Peut-être la dernière action du match. Et oui, Correa qui fait le geste parfait, les gars, à la 80e minute. Ah, pour le moment, il offre le trophée à l'Olympique de Marseille sur cette action. C'est magnifique. Et fou. Voilà, on va pouvoir un peu respirer, mais faire attention, mais là, qu'ils égalisent pas quand même. Heureusement que je l'ai pas fait sortir pour mettre mort avant. Hein. Oh là là là, le geste parfait devant De Gea. Et surtout l'appel. L'appel. On a pu voir que United était beaucoup plus offensive. Et là, cette contre-attaque qui est très très bien mené, et ben voilà, Correa qui fait le geste parfait pour achever United. Enfin, ils sont pas encore achevés, il reste encore bien 10 minutes avec le temps additionnel, ça ferait un petit peu plus. Odegaard, allez, la vitesse d'Odegaard, ça part bien, action dangereuse. Odegaard, ouais, il est enfermé dans le couloir. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Ah, monsieur l'arbitre. Paul Pogba. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Renato Sanchez. Oh, attendez les amis, il n'y avait pas hors-jeu. Mais moi j'ai tiré parce que je croyais qu'il y avait hors-jeu. Mais moi je l'ai vu l'hors-jeu. Avec Bertrand. Bon, attention. Attention à cette attaque. Mitterrand. On va prendre voilà les milieux. Pour peut-être une bonne opportunité. Allo pressing. Attention. Oui, c'est bien joué là par Chamber. Il contre ce centre. Mais c'est pas fini, attention. Oh, le centre. Oh, le centre Harikane qui est grand. Un ballon perdu. L'adversaire c'est bon, c'est bien joué. Allez, c'est bien joué. Sanson. Il est dépossédé. Voilà, attention à cette perte de balle là. Qui est peut-être l'un des derniers ballons. Allez, peut-être le but égalisé. Ça tape la barre, les amis. Oh, la barre, attention. C'est pas fini. Belle passe en profondeur. Attention, on prend un but là. C'est les prolongations. Eric Bertrand Bailly. Ouais, c'est bon, on va calmer le jeu, on va dégager loin et c'est tout. Et oui, c'est bon. Et oui, on est champion, on est champion, les gars. La Ligue des Champions, elle est à nous. Et voilà, deuxième étoile pour l'Olympique de Marseille et un deuxième trophée pour l'Olympique de Marseille. L3, c'est la Champions League Marseille, c'est la Champions League. Ouais, ouais. Oh là là là. Oh là là là, qu'est-ce que ce match aurait été intense. On a paniqué jusqu'à la fin. C'était du grand n'importe quoi. En tout cas, waouh. Waouh, ce match exceptionnel. Mais là, on va voir la remise des trophées, les amis. Là, clairement, le stress redescend d'un coup. Limite, Harry Kardec, évanouissement, je sais pas quoi, en PLS. C'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, la Ligue des Champions, elle est là. Renato Sanchez qui va la recevoir dans quelques instants et qui va la brandir devant les supporters marseillais. Et après, on pourra faire un tour de Marseille avec notre minibus, avec ce magnifique trophée et tous les trophées qu'on a gagnés cette année. En tout cas, elle est complète. On s'est fait plaisir. On a l'équipe de grands joueurs. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite à Marseille en vrai maintenant. Et voilà, c'est fait. L'Olympique de Marseille soulève sa deuxième Ligue des Champions. Et du coup, voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Un maximum de likes pour cette Ligue des Champions, pour l'Olympique de Marseille et pour moi-même. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour me faire connaître. Et merci à tous et à bientôt. Et bien sûr, allez l'OM. L3, c'est la Champions League. Marseille, c'est la Champions League. Ouais, ouais. Alors, c'est le moment du partage maintenant. Le partage avec le public. Allez, c'est emparé du trophée, les autres sont derrière et ils vont le brandir, le montrer à leurs supporters. Voilà, ils se rapprochent de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment une grosse responsabilité dans ce triomphe. Ah, c'est des images qui resteront, bien sûr. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà,
Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, celui qui est derrière, on ne le verra pas. Ouais. Paredes.